2, 1. Wesh les frérots, c'est tonton Démonexion accompagné du petit Nadjim. Il est toujours là, il est toujours en place avec moi quand les autres sont pas là. C'est Nadjim qui est là. Comment vas-tu mec? Très bien. Est-ce que tu sais quelle date on est? Noël, bientôt. Attends, on est le 31. Non, c'est pas possible mec. Aujourd'hui, on est le 30 novembre. Demain, nous serons le 1er décembre. Qui dit 1er décembre dit Noël, dit calendrier. Exactement, mec. Ça tombe bien, Nadjim, ils sont arrivés ce matin. Ah ouais? Ils sont encore dans la boîte aux lettres. Dans cette vidéo, première étape, ce qu'on va faire, les refs. Là, je pense qu'il est un peu temps de changer du coup le décor de Halloween, ok? J'ai toujours peur. Donc ça, on va l'enlever, les frérots, et on va le remplacer par le petit décor de Noël. Nadjim, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller acheter des décorations de Noël, mec, ok? Faut qu'on fasse la plus belle déco. On prend du coup tous les meilleurs décors. Ensuite, on rentre, on enlève tout ce qui se passe derrière et on va remplacer ça par un magnifique décor de Noël, mec. Et du coup, après avoir décoré tout ça, on va découvrir les calendriers de l'Avent, mec. Les calendriers de l'Avent, il y en a un pour moi, un pour Rémi, un pour Zizou et un pour toi, mec. Okay. On va aller tout de suite acheter les décors parce qu'il commence déjà à faire nuit. Il y a peut-être les magasins qui vont commencer à fermer. Faut être efficace, mec. Let's go, c'est parti, on veut le meilleur décor. Bon, c'est parti, les frérots, on est dans la voiture, il fait déjà nuit. C'est un truc de ouf, il fait nuit, il est 10h du matin. Quelle est ta période de l'année préférée? Est-ce que c'est Noël? Ouais. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des cadeaux. Tu commences par 2-2, tu commences pas par 2-1. 2-2, tu peux avoir des cadeaux. Ok. 2-3, tu peux avoir tu peux avoir quoi? Des calendriers. Ouais. 2-4. Tu peux faire des bonhommes de neige avec la neige. Ouais. 2-5, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ouais. Moi, ce que je te propose, Nadjim, regarde, on va se répartir les rôles. Moi, je vais aller acheter la décoration pour le meuble et toi, tu vas acheter pour le sapin, mec. Et le sapin, tu le décores tout seul. C'est-à-dire faut que t'en fasses un magnifique, mec. C'est parti, ça va être la période de Noël. Bon, je sais qu'il y en a plein qui vont dire ouais, mais Démonexion et tout, t'es musulman, pourquoi tu fais Noël? En fait, les refs, c'est juste question que on l'a fait pour mes petits refs depuis tout petit. C'est-à-dire c'est une espèce d'habitude, c'est juste pour le côté festif, ok? C'est pas le côté. Il y en a qui se posent des questions parce que je sais qu'il y en a qui vont pas le fêter, donc par rapport à la religion, je comprends totalement. Mais voilà, nous on le fait juste pour le côté festif, pas pour le côté religieux. T'as déjà réfléchi à tes cadeaux? Ouais, j'ai déjà écrit. T'as déjà fait la liste? Bah, on fera une vidéo achat des listes des cadeaux de Noël, les refs. Pétez les pouces bleus là et on fera une vidéo achat des cadeaux de Noël, mais du coup j'irai tout seul pour acheter les cadeaux de Rémi, Zizou et Nadjim. Une boîte aux lettres. Oh, la boîte aux lettres, elle est énervée, hein. Attends. Allez, c'est un peu mal. Non, elle est 49. Incroyable, hein. Ouais, on va la prendre, mec. Ouais. Bon, les mecs, ça y est, là on y est. Regarde, moi j'aime bien tous les trucs comme ça avec un peu de neige dessus, t'as vu? Moi j'aime pas, moi je préfère. Toi t'aimes pas? Tu vas choisir ton sapin. Ton sapin, il est là, regarde. Tu veux prendre lequel? On est d'accord, on prend pas un blanc, on prend un vert. Un blanc, ouais. C'est avec de la neige. Ouais. Et la neige, faut se réchauffer. Ouais. Et ça va faire froid dans la maison. Alors ouais, on prend ça. Ok. 180 cm. Non, ça veut dire c'est. Ouais. Non, premier, 210 cm. Ça fait combien comme taille? 210 cm. Ça veut dire 2 plus 3, ça fait 5. Bon, je vais prendre lui. Il est plus beau, il est plus grand. Et ça, c'est ça, ça compte. 210 cm? Ouais. 180. Tu sais que 180 cm, ça fait 1m80. C'est ma taille. Rien à foutre. Ah, tu vas aller chercher les boules de Noël, c'est bon? Ok. C'est bon? Ouais. Allez, vas-y, à tout à l'heure, mec. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Bye. T'as trouvé des trucs? Ok, donc, ouais, les guirlandes comme ça, c'est bien. Moi, je pense que je vais prendre des petits traîneaux, là. Là, on va se prendre un petit sapin en bois qu'on mettra sur le côté. Il y a la place pour. Donc, je pense que ça va bien passer. Ça, on le prend. La petite décoration avec les deux petits poussins là, ça on pourra le poser aussi sur un côté. Bon, j'espère que l'autre est en train de prendre des bons trucs parce que le sapin, c'est le truc principal. Donc, on a intérêt à assurer. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il y a beaucoup de trucs aussi. Ok, donc tu pars sur du doré, sur du rouge. Ça c'est pas stylé, ça c'est dégueulasse. On part sur un sapin doré et rouge, c'est bon? Je pense que là ça va suffire en tout cas. Ouais, attends, viens, j'ai trouvé un endroit stylé pour toi. Ambiance tranquillou. Ambiance tranquillou, ah ouais, j'avoue. Sur la banquise, ça je peux mettre. C'est dans le village. Ah ouais, il y a un village carrément. Ça, les mecs, c'est incroyable. Christmas scene. Tu l'as dit, tiens, en fait, devant. Allez, les chaussettes. Je crois au Père Noël. Tu crois au Père Noël? Oui. Il s'appelle comment le Père Noël? Macron. En fait, Macron, c'est l'entraîneur de l'équipe de France. C'est le Père Noël, c'est qui d'autre? C'est ton daron. Moi, je vais prendre celle-là. Celle-là, on la prend pour Rémi. Toi, on va prendre, je crois au Père Noël. Pour Zizou, on va lui prendre une vraie chaussette de SDF. On lui prendra la chaussette de papa. Les mecs, mais ça y est, on a tout. C'est ça, c'est une banquise, Nadjim. C'est pour s'essuyer les pieds? Une banquise pour s'essuyer les pieds. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et bah, les frérots, du coup, on a tout ramené à la maison. C'est tout good. Il y a le sapin, il y a la boîte aux lettres, il y a plein de trucs. Nadjim, ce que je te propose, mec, c'est que cette nuit, on va juste débarrasser tout ça. Ok. On va débarrasser tout ça. Comme ça, demain, non seulement on va ouvrir le calendrier, mais on va aussi faire les décorations, c'est bon? Ok. On se dit à demain, mec. Bonne nuit, bonne soirée, ciao. Fais l'imitation de Griezmann, fais la célébration. Les refs, vu que Rémi il est à l'internat et que bah il est pas avec nous et que demain c'est les calendriers, Rémi! Tu
bonjour aux abonnés, mec. J'ai un truc à t'annoncer. Demain, c'est le 1er décembre. T'as acheté un petit calendrier. Ok, Nadim, tu filmes bien. Pas ma grosse tête. Calendrier à toi, un Rémi, un Zizou et un Nadim. Ok. Donc là, moi, je vais te montrer le tien. C'est bon. Ensuite, je vais appeler Zizou, je vais lui montrer le sien. Et après, Nadim le sien et moi le mien. Ok. Okay. Attention. Oh Marvel. Non, il est pour moi, lui. Que avec des pop. Est-ce que t'aimes bien Rémi? Je kiffe. En vrai, je kiffe. C'est vrai, tu kiffes. Donc demain, on t'ouvrira le tien, ok. Et avec celui de Zizou, etc. C'est bon. Vas-y. Vas-y, mec. Bon courage, force pour les cours. Et c'est chiant. Tu kiffes Nadim ou pas son calendrier? Que des pop, ça veut dire. Y a que des pop, frérot, dedans. De quoi c'est de la maltraitance? Bah que tu me voles ça. Mais non, mais non, c'est pour moi. Il va y avoir trop de dingueries. Il y a Groot, il y a Captain America. On va découvrir celui de Zizou, ok? Faut qu'on appelle Zizou. Les mecs, on est avec Zizou. On a fini avec Rémi. Là, j'ai appelé Zizou, les refs. Zizou, j'ai une petite nouvelle à t'annoncer, mec. J'aime beaucoup ta petite veste, mec. Je valide. Fais voir l'outfit. Nadim, tu valides l'outfit ou pas, ok? Ok, on va voir. Ok, mec. Oh, les chaussures. Moi, je valide, ouais. je valide. Mais mal à paire, c'est Nike. Mais oh, frérot, tu t'appelles plus Zizou. Moi c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, au minimum, frère. Là du coup Zizou, on est en pleine vidéo décoration de Noël. Ouais. Frérot, ce qui va se passer, c'est que j'ai déjà appelé Rémi juste avant toi. Et je suis en train d'offrir des calendriers de l'Avent. Je vous en ai acheté, mes cochons. Déjà regarde celui de Rémi. C'est des pop. Ouais, c'est que des pop. C'est que des mini pop, frérot. Donc là je t'ai acheté le tien, je te montre le tien, c'est bon mec. T'es outfit. Nadim, tiens la caméra de Jean-Baptiste. Attention. Il est pour moi. Let's go. C'est que des figurines de Pokémon. Que des figurines de Pokémon, mon gars. Let's go. C'est quelle génération? C'est les meilleurs avec Kaninos, Tiplouf et tout, gros. Let's go. Est-ce que tu valides, mec? Ah, c'est dingue ça. Attends, remonte la boîte. On va les ouvrir avec Nadim chaque matin. C'est bon? Allez, vas-y, mec. Ton calendrier est trop beau. Merci, grand frère. De rien, petit frère. Est-ce que tu valides celui de Zizou? Oui. Maintenant, je vais te montrer le mien. Et moi? Bah, toi, ce sera le dernier, c'est le meilleur. Le tien était trop dur à voir. Attention, mon calendrier. J'espère que tu vas le valider. En vrai, il est pas ouf, le mien. Il est pas ouf. Attention, Dragon Ball Z. C'est pour moi, mec, tu vois. Il est incroyable ou pas, Nadim? Nadim, ça va, mec? Oh, Vegeta, il est incroyable. Vegeta, il est magnifique. Nadim, je vais chercher le tien. Tous les jours, on va ouvrir un de là. Sud Nadim, sur la chaîne secondaire, tous les jours. Je vais poster tous les jours là-bas. Pour Nadim, je t'ai pris un truc qui commence par un F. Fort. Non. Attention. Non. Nadim Fortnite. Non. Attention. Non. Attention. Non. Let's go. Nadim, calme-toi. Nadim, ça va bien se passer. Et bah les frérots, du coup, vous avez découvert les quatre calendriers, pardon. Un Pokémon, un Dragon Ball Z, un Marvel. Et on a le meilleur pour la fin, un pas de patrouille. Et il y en a encore un au chocolat. Donc voilà, on est obligé d'en prendre aussi un au chocolat pour quand même le petit chocolat de l'œil du matin, tout ça. Donc les refs, comme je disais juste avant, on va les ouvrir tous les matins. Donc sur la chaîne secondaire, là vous allez voir cette vidéo, les gars. Normalement, je crois qu'il y a déjà eu 3-4 matins qui sont déjà passés. Donc pour les plus vifs, vous avez déjà vu sur la chaîne secondaire qu'il y avait une vidéo par jour sur Instagram. Ceux qui n'ont pas vu, qui viennent juste de voir cette vidéo là et qui n'ont pas vu les autres petites vidéos. Tous les jours une ouverture, vous pouvez y aller tout de suite les refs, ok? Nous on se retrouve demain pour la petite décoration du setup, c'était une petite parenthèse. Bisous, à demain les refs. The next day. Ok. 17h46. Bon, c'est plus que 7h30. On va découvrir les jours 1, 2 et la gym. Les gars, Nadim. Moi j'ai déjà ouvert mon calendrier au chocolat, j'ai un Papa Noël en chocolat. Il est 7h45, je viens de me réveiller pour ça, j'ai déjà envie d'arrêter. Vas-y, on va commencer avec le Funk Pop là-bas au fond. On commence par le Marvel là-bas. Allez, vas-y, première découverte, mec, let's go baby. Il faut que tu le tires la porte, tu la tires la porte. Tu vas pas l'enfoncer, sinon tu pourras pas sortir le truc. Attends. Donc là, le premier c'est... Deadpool. C'est qui? Bien joué pour le premier, on a eu Deadpool, c'est carré. Let's go maintenant, Dragon Ball Z. Attention. Nice. Nice. T'es prêt? Voilà, ça fait 30 minutes que je suis prêt là.
Ok, le petit Pop Son Goku, fais voir, ça ressemble à quoi? Super carré. Let's go pour le troisième. Et là, on y va pour Pokémon. Il est où le numéro 1? T'imagines, il n'y en a pas. Il n'y a pas de 1. Ah, si, il est là. Trop stylé. C'est quoi ce bordel? C'est un Pokémon, ça? Ah, je crois que c'est l'évolution de Flurizard. De Flurizard? Oui. Ah. Parce qu'après, il est plus gros. Ah oui, ok. Donc, l'évolution de Flurizard. Incroyable, Flurizard. Et le meilleur pour la fin, bien évidemment. Let's go! Quand il est gros, je sais pas pourquoi il est gros, mais Rocard. C'est le plus gros du Monde. Parce que c'est les meilleurs, c'est pas de patrouille. Waouh, trop bien! Ça fabrique une maison? Et c'est le meilleur. Moi, je te dis, c'est le meilleur pas de patrouille. Moi, c'est pas. Donc là, c'est le premier élément de la pas de patrouille, mec. Tu peux le poser devant, regarde, en plus, il y a une petite cheminée devant. C'est le meilleur, mec. Tu verras à la fin ce que ça va donner. Bon, et ben Nadim, c'était le premier jour de l'ouverture des calendriers de l'Avent. On se retrouve demain, très cher, pour de nouvelles ouvertures. Du coup, tous les achats ont été faits dans la première partie. Et là, les frérots, du coup, j'ai profité, c'est que pendant la journée, j'ai mis le petit sapin du petit Nadim. Ton ami ? Ah, tu l'as vu, j'avais même pas vu. Comment ça, tu l'avais pas vu, frère ? Tu jures, je suis pas sûr, j'avais même pas vu. Ce sapin, tu vas le décorer tout seul. Ça veut dire, je vais rien toucher. Mais gros, j'ai pas pris une étoile. Ah ouais, vas-y, Ah ouais, c'est bon, on a pas pris d'étoile pour toi tout de suite. On mettra autre chose. Tu seras le seul à le mettre, ok? Ça veut dire, dès que tu dis j'ai fini, plus personne n'y touche. Il faut que ce soit le plus beau sapin, mec. C'est parti, moi, je vais m'occuper de cette partie-là, les refs, de toute l'étagère, et Nadim, lui, il va s'occuper du sapin. C'est quoi ça? C'est une banquise. Ça, c'est une banquise, Nadim. C'est pour s'essuyer les pieds? Ah, c'est pour où tu essuies comme ça? Ouais, c'est pour essuyer les pieds, c'est un paillasson. Ah ouais. C'est exactement ça. Oh, mais là. Eh Nadim, t'as vraiment trop de cuit, toi. Mais arrête, c'est une banquise, c'est pour la déco. Prends toutes les décorations de Noël, je les découvre à la fin, ton sapin, c'est bon? C'est parti les refs, Nadim, lui, il s'occupe du sapin, nous, on va s'occuper de tout ça. On va commencer par mettre directement ça, la petite boîte aux lettres, let's go. C'est bon? Les gars, là, on va décorer le sapin, regardez comme il est beau. Non. Les gars, ça va stylé? Non. Pas du tout. J'ai mis boîte aux lettres ici du Père Noël, comme ça Nadim, il pourra mettre sa liste de cadeaux là-bas, Rémi et Zizou pareil, et comme ça, on fera une petite vidéo liste de cadeaux de Noël. Les deux petites chaussettes, les refs, ça, on va les mettre, je pense, on va les pendre ici en plein milieu. Nadim, faudra qu'on trouve une chaussette pour les SDF. Mais attends, d'où t'as ça, les lunettes et tout ça là? Tu les as mis en cachette dans le caddie, ça, le chien? Oui, 20 minutes, j'ai fait ça. C'est le mytho, ça fait 3 minutes. Vous pensez que c'est beau? Les gars, j'ai fait une chaise. Là mec, ton sapin, regarde comment il commence à être bégé là, recule-toi un peu. Conseil de décorateur, quand tu poses une boule rouge par exemple, à côté tu mets pas une rouge, tu mets une autre. Faut qu'il y ait un peu d'espace, c'est bon? Est-ce que si tu poses de rouge à coller, ça porte malheur? Non, ça porte pas malheur, ça n'a rien à voir. Mais... Par contre le chiffre 13, ça porte malheur. Mais Nadim, tu me parles de quoi là? On a mis ça, comment il s'appelle lui? Valentin. Mmh. Validé. Les refs, Valentin, il est là, il est en place. Let's go! Tellement Nadim, comment c'est incroyable. Est-ce que tu valides mec? Oui. Directement dans le décor, la petite voiture du Père Noël. On va poser l'espèce de ville de Londres. Et car c'est moi qui a... Sur la banquise, mec. Une petite maison devant, une derrière. Par contre, faut pas qu'on voit les fils, sinon ça va être dégueulasse. On a une petite ville, comment on l'appelle la ville? C'est la ville de quoi? Polnay. Hein? Ah, genre, il y a Pôle Nord et Pôle Nez. Ouais. Non, c'est validé. Mec, tu sais pas où est-ce qu'il y a des punaises? Là, le petit traîneau, il va manquer quelques petits trucs, on va rajouter des trucs. Pôle Nez, Pôle Nord, parce que... Ouais, pôle Nez, pôle Nord, parce que là, le pôle Nord, normalement, là, regarde. Là, ok, c'est bon. Du coup, là, il nous faut des punaises, mec, pour toucher les choses. Lesquelles, où tu éclates et ça pue, là? Quoi? Les autres, ceux où tu éclates avec le pied et ça pue. Ah, tu parles de l'animal? Ouais. Je te parle des punaises pour accrocher sur le bœuf, sur la... J'ai pas pris trop de trucs, ok, parce qu'on a quand même 4 calendriers de l'avant. Celui de la patte patrouille, il aura sa case ici. En dessous, il y aura celui des Marvel. À côté, ou même dans le même truc, il y aura celui de Dragon Ball Z et celui de Pokémon, t'as compris? Et juste ici, il faudra remplir avec quelques petits trucs. Et je pense qu'après, voilà, on va pas trop en mettre, ok? Carré? Ouais. Let's go, il nous faut des punaises, mec. Alors déjà pour commencer Nadim, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'étoile au-dessus? Pourquoi? Ouais. Dans le magasin il a fait pas d'étoile. Ok. Et toi et moi et aussi. Voilà, j'en étais sûr, t'as pas fait le derrière, t'as fait que le devant, espèce d'escroc. Il manque un peu de trucs, je vais pas te mentir Nadim, ok? Il y a des bouts que tu les as placés comme un chien ici. Ouais, le petit papa Noël il est là. En vrai de vrai il est pas mal. Prochain jour faudra juste qu'on achète une belle étoile mec si t'es d'accord, ok? Les gars, moi de mon côté du coup j'ai posé la petite boîte aux lettres juste ici tranquillement. Un petit sapin ici sur le côté tranquillement avec un petit pingouin ou je sais pas quoi. Ici pareil un petit truc simple. Là j'ai mis quelques petits trucs comme ça. Ici comme
comment il s'appelle Valentin. Valentin, il est là. Là, la petite chaussette de Nadim. Ok, Nadim, dès qu'il y a un petit cadeau, on mettra dedans. Ensuite, la petite voiture avec ses petites lumières. La chaussette de l'SDF, celle-là, elle est pour toi, Zizou. Celle de Rémi ou à moi. Rémi ici. Ici, un petit traîneau, les refs. Il y a encore un petit truc que j'ai commandé qui va arriver là et là. Le pôle nez et le pôle nord. Ça, c'est le pôle nez et ça, c'est le pôle nord. Ok, excellent. Ici, du coup, les gars, bah, j'ai rien mis. Ça va être la décoration, pas de patrouille. Donc, déjà, tu peux me ramener la petite maison. Donc, ici, ça va se remplir dans les prochains jours. En globalité, ça donne quelque chose comme ça. C'est moins rempli qu'Halloween. C'est moins bordélique, mais je préfère tout autant. Un petit décor qui va continuer à se remplir tranquillement de chaque jour en jour. Les frérots, du coup, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo de décor. J'aime bien les faire tranquillement comme ça. Ça lance une nouvelle période à chaque fois, les refs. Oubliez pas, les refs, le petit pouce bleu. On n'oublie pas de s'abonner comme d'habitude. Tu connais mon ref. Et puis, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. La période de Noël commence. Et le petit reine. Let's go, attends, les refs. Et le petit reine et le père Noël te dit bonjour le soir. Arrête de rôter, bonjour le. Eh, vas-y, toi.